Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo détente de Game Old School. Donc là, ça va être sur Mario Kart ce soir. Donc on est à l'apéro, accompagné de mon ami le Gaulois Ludo. Alors comment ça va Ludo, alias Cristiano, alias le Lion? Bah écoute, ça va bien. Comme il vous a dit dans la vidéo, on est dans un moment détente. Exactement. On va s'amuser. Exactement. Là, on boit, on peut le dire, du Jack Miel. Qui est très bon pour la santé. Exactement, j'ai failli faire tomber la caméra, je suis un dingue. Ouh là là, je pense qu'on est déjà bourré. Eh oui. Alors, bon, je me tiens. Tu veux quoi comme dose? C'est bon ça? Ouais, ça me va. Voilà, parce que toi tu bois sec du coup. Donc... Moi, je vais mettre un peu de coca. Ah bah tu vois. Pour une course, je vais conduire, faut pas que je sois trop bourré quand même. Ah ben, Donc là, on va mettre deux joueurs déjà. Hein. On va mettre deux joueurs. Et on va faire le Mario Grand Prix en 150cc, bien évidemment, parce que nous, on est des dingues. Voilà. Donc, ouais, donc c'est 4 courses, hein, c'est ça, c'est 4 courses la coupe, hein, je crois. Donc, tu prends qui, toi? Ah ouais, alors j'ai cru que j'étais déjà le deuxième joueur. Tu prends le premier joueur. Tu prends Todd le Champi. Todd le Champi, voilà. Bah écoute. Todd le Champi qui habite à Champi. Exactement, dans le 94. Voilà. Donc, moi, je prends Peach. On va faire la première course, hein, on va pas s'enflammer à faire la dernière parce que tout ce qui est route arc-en-ciel et tout, c'est pas trop notre délire, on va le dire, hein. On se casse au moins la gueule 4-5 fois dans la course. Voilà. Donc tiens, en plus dans cette route arc-en-ciel là, toi t'as joué à double dash toi? Ouais. Tu l'as eu? Bah sur double dash il y a des rebords, mais dans celui-là il y a pas de rebords, donc la route arc-en-ciel tu peux vite t'en casser la gueule en fait. Ah ouais, ça c'est vrai. Donc, bah écoute, on va commencer, on va faire la mushroom coupe. C'est une coupe qui se passe en Roumanie. En Roumanie. Bah j'étais hier en Roumanie et j'ai pu accéder à la course. Eh ben écoute, en mode allez, c'est parti. Souvenir. Mais écoute, je trinque. Santé à toi. Ou à la tienne, hein. À la tienne. Oh putain. Voilà, mais moi aussi j'ai eu le même départ que toi. Allez hop. Alors on commence vraiment très mal. Oh putain, c'est toi qui as lancé ça? Eh oui. Tiens, bah attends, j'en ai un aussi. Je vais juste attendre de redevenir bien et je vais te le lancer. Ah, t'es premier, tu prends de l'avance. Voilà. Rien. Allez hop, à mon tour. Par contre, faut savoir en profiter hein, quand tu mets l'éclair. Parce que des fois, tu mets l'éclair, mais t'atterris dans l'herbe et tout. Et ça te fait ralentir. J'espère que je vais en avoir un deuxième, mon petit éclair. Carapace rouge. Putain. Tu sais que n'empêche, je récupérerais bien une GameCube pour me faire un double dash. J'avoue. Tu l'as ou toi, non? Bah, je l'ai prêté à un pote. Il l'a jamais rendu. Il l'a jamais, il l'a déménagé. Ah, ça, c'est le coup classique, ça. Ah, ça, c'est vraiment le coup, le fameux coup. Le coup d'enculé, quoi. Voilà, le coup vraiment d'enculé. Hein. En plus, il me dit à la dernière minute qu'il déménage, le con. Ah, lui, il est vraiment con. Ah, putain. Mamma mia. Non, non, mais écoute, ça arrive, ce genre de choses. Ah, là, là. Putain, mais double dash, je me rappelle, il y avait double dash sur GameCube et Smash Bros. Smash Bros. Melee. Ah, avec ouais. Mewtwo, tu te rappelles Mewtwo? Ouais. C'était pas le meilleur, mais... Quand t'es à fond dans Pokémon, c'est ton préféré. Ah, ça claquait sa mère, ça. Ah, c'était tellement bon. La belle époque, comme on dit, hein, parce que toi aussi, hein, t'es comme moi, hein, un nostalgique de la belle époque. Non, alors, je suis juste derrière ton cul. C'est serré, hein. Ah, c'est très ça serré. Ça joue là-devant, là. Justement, c'est ce qu'on aime. Ah, parce que l'autre fois, faut le dire, on avait commencé une très belle coupe. Ouais. Et t'avais dû partir. C'est vrai. Et là, mec, je me retrouve quand même 7ème, c'est dégueulasse ce qui m'arrive. Alors, surtout que c'est la course la plus facile du jeu, alors si je fais 7ème... Oh, putain, il faut que je pète une caisse là pour lancer un putain d'objet. Je peux avoir un éclair là? Tiens, carapace bleue. Normalement ça va atteindre le premier. Non. Oh putain. Non mais mec, grâce à moi tu vas passer premier. Putain. Eh oui. Bah grâce à mon pote. Ah oh, putain.
C'est une première, hein. D'habitude j'arrive bien à mes premières. Mais mec, je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Il reste 3 courses, hein. N'oublie pas que tout est accumulé après. Ouais. Et encore, moi j'ai eu de la chance, hein. Je me suis retrouvé 3ème alors j'étais 7ème. Ouais, j'étais à Carapace Bleu, au final on a fait une coopération. Bah ça arrive, hein. Ouais, non, c'est des beaux. Faut bien s'entraider. Hein. C'est des belles choses. Voilà. Alors voilà. Ouais. Connexion du Jack Miel. Non, ça fait longtemps que j'avais pas bu du Jack Miel, ça fait plaisir. Ah. Bon, là c'est une course un peu plus... Un peu plus intense. Un peu plus complexe, on va dire. Voilà, mais c'est ce qu'on aime. Hein. Parfait. Et tu sais même ce que je propose. Je propose qu'on fasse ça en plusieurs épisodes. Ce soir, on va faire la première coupe. Ouais. On se revoit une autre fois, on fait la deuxième. On se reverra une autre fois, on fera la troisième. Et c'est la toute dernière. Et la dernière, je pense qu'on peut bien rigoler parce que les courses sont bien dures et... Il truffait de pièges en plus. Ah mais là en fait ça me fait rappeler à Mario Kart Double Dash, hein. Qu'est-ce que j'aimais bien. C'était bien, c'est que t'avais un autre joueur avec toi. Ouais grave. Et tu pouvais jouer avec ton pote. Ton pote il jetait et toi tu conduisais. Ça je me rappelle, ouais. Et t'en avais toujours qui s'embrouillaient, mais vas-y tu sais pas conduire machin. Ouais, bah c'est des souvenirs d'enfance. Hein. Grave. Mais c'est vrai que c'est qu'il y a plein de. Dans Double Dash, t'as plein de niveaux des premiers en fait qui sont remasterisés, des niveaux. Ouais. Genre celui-là je crois qu'il est. On a plein d'autres aussi. Déjà le arc-en-ciel. Ouais, c'est là où t'as plus connu, je pense. Et qui nous a fait le plus stresser. Hein. Ouais, t'es pas tranquille quand tu fais la route. Franchement, comme ils ont dit, peu importe qui t'es, où t'es, ouais. Cette course-là, tu fais stresser. C'est vrai. Mais c'est comme. Par contre, j'avais bien aimé dans Double Dash, dans la route arc-en-ciel. Rappelle-toi, il y avait un espèce de grand tube. Tiens, un grand tube de arc-en-ciel. Ouais. Un grand tuyau. Là, tu montais en l'air quand t'allais dedans, je sais pas si tu te rappelles. Ah ouais, si, ouais. C'était bien. Là, c'est vrai que. Quoique la route arc-en-ciel, s'il reste du temps dans la vidéo, on pourra peut-être se la faire. Mais moi, elle dure tellement longtemps. C'est vrai. Parce que moi, j'ai droit à 15 minutes dans la caméra. Putain. Ouais, ça m'énerve quand tu jettes des bananes et tu te fais avoir tes propres bananes à votre tour. Grave. Là, tu vois, c'est les miennes. Celles que tu t'es pris, là. Tu sais que c'est très serré, hein, parce que je viens juste de passer le hôtel. Ah ouais? Ah ouais, donc ça veut dire, en fait, on est collé là. Putain, deuxième, c'est dégueulasse. Par contre, j'ai pas compris, t'as acheté une carapace rouge, elle a atterri sur personne. Oh non, mais 8ème! Non, 6. Ah, 6ème, ouais. 6ème. Ouais, mais comme t'as fait premier à la première course, ça peut être. Et qu'il te reste 2 courses, ça peut compenser. Ça peut compenser. Comme dans nos anciens bulletins. T'avais 19 en UPF et t'avais 14 en sport. Enfin, pas en sport, mais. T'avais les encouragements en maths. Voilà. Il reste combien de temps là dans la caméra là? Je vois pas le temps, merde. Oh, ça va, on est à 7 minutes. J'ai droit à 15. Oula! Alors, cette course, elle casse les couilles. Effectivement. Et il y a un super passage secret que j'arrive jamais à prendre. D'ailleurs, si vous savez comment le faire, vous pouvez nous le dire. Oh ouais, mettez un commentaire. Parce que j'ai jamais réussi à le prendre. Même avec un boost ou quoi avant le tremplin. Et si t'arrives à le prendre, je te jure, ça te fait gagner un temps de fou dans la course. Je pense que t'es 8ème, tu peux arriver premier en prenant le passage. Ah, mais c'est génial tout ça. Bah ouais, il faut réussir à le prendre. Ah, il est là, mais tu vois, j'ai pas de boost, ça sert à rien. Non, cette course elle est vraiment dure. D'ailleurs, en fait, quand t'es vers les derniers, t'as toujours les meilleurs objets en fait. Ah bah ouais. Quand t'es premier, tu files des objets de merde, juste bah t'es premier, t'as pas besoin d'avoir des. Grave. Ouais, t'es premier, tu nous fais pas chier, hein. Tu me casses pas les couilles. Oh là 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 là. Tu sais ce que je pense aussi, on devrait se faire aussi des. Même si je l'ai déjà fait sur 2 vidéos, on devrait se faire des matchs de foot aussi. Ouais. Vidéo, ça peut être marrant. Ça peut être comique. Avec Salomon Lembe, le Cameroun. D'ailleurs, c'était son anniversaire il y a pas si longtemps. Ah ouais, une petite pensée pour Salomon si tu nous entends. Hein, bah, qui c'est Salomon et qui a regardé les vidéos. Peut-être qu'il regarde nos vidéos, Salomon. Salomon, bah, on te fait un petit big up. C'est là qu'il nous met un commentaire et tout. Non. Ça c'est moi les gars, désolé. Oh putain! C'est moi. Ah merde, hein, excusez-moi pour mon langage, mais bon. C'est vrai que celui-là qui met l'éclair en général, c'est l'enculé.
c'est l'enculé de service. Hein. Putain, je suis troisième. Oh bah merde, non. Excusez-moi, j'ai bu un peu. Donc... Oh mais tu sais, alors franchement, je vais te dire, hein, les gens qui ont vu le vidéo test de Mario Kart sur ma chaîne, ils vont pas être choqués parce que je pense que cette vidéo, ça a été la vidéo la plus n'importe quoi de ma chaîne. Ah ouais ? On a fait que de rigoler, on était complètement... on avait fumé, on avait bu... Ah, des bandades. Ah ouais, non, je te la ferai écouter la vidéo, tu te diras, ah ouais, ça va, on a été soft. Franchement, putain, j'ai encore un éclair. Bah merci Loni. Bah je t'en prie, hein, écoute, j'ai pas réussi à prendre le passage secret, putain, fais chier. J'aimerais bien être premier là quand même pendant une course. Ah c'est là le passage. Bah tu l'as vu? Ouais. Ah ouais, c'est une espèce de grotte là. Ouais. Mais je te dis, regarde, j'ai dit où tu ressors. Tu ressors. Bah je sais même plus où tu ressors. Tu ressors sous une petite fontaine. C'est dégueulasse, j'ai encore fait troisième. Je crois qu'à mon avis, on a aucun de nous deux qui va gagner la coupe. Ouais. En même temps, toi t'as pris un champignon, moi j'ai pris une princesse, quoi. Si tu veux qu'on aille. Huitième. Bah huitième. Bah, écoute, c'est pas grave, en fait on est 16, hein. Je suis pas dernier. Si on retourne le classement, t'es premier. Ouais, voilà. Faut pas s'arranger, oh. Eh, faut pas déconner non plus, merde. Ouais. Alors, tu veux? Ouais, tiens, j'avais explosé un petit paquet là. Ah ouais, moi aussi. Eh, parce que qui dit apéro dit chips. Ah ouais. Bien évidemment. Ça se met des grosses caisses. Ah, dernière course. Tiens, reste combien de temps dans la vidéo? 12. Bon allez, on va avoir le temps de la finir. Le temps de vidéo fait pile 4 courses, c'est super. Voilà. Il est un peu chelou ce niveau.